Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, un petit haul Stokomani. Donc, on va commencer forcément, c'est bientôt Noël. Des petits stickers de Noël qui étaient à 1,49€. Voilà. Après, d'autres à 2,99€. Ceux-là, ils sont très jolis. Et en plus, ils sont en relief. Pas si vous parvenez à le distinguer. Voilà, là un petit peu très joli. Après, donc pour ma fille, le petit bonnet de Père Noël avec écrit mon premier Noël à 99 centimes, je pense, oui, c'est ça. Très joli. La botte à 3,99 €. Ouais, pareil, mon premier Noël. Voilà. Je continue dans le même thème. Une boule pour le sapin. Pareil, il y a écrit mon premier Noël. Et celle-ci, elle était à... Je ne sais pas, c'est pas marqué. Et le ticket, ah, il y a le ticket. Boule, alors bonnet, botte, boule, métal, je sais pas en quoi est-ce, non c'est en verre, boule métal vert, 2 euros, non 1,99 €, donc voilà. Et je suis allée aussi chez Auchan et j'ai trouvé qu'en fait les décos de Noël de chez Auchan c'était les mêmes que celles de Stokomani. C'est ça, j'ai été choquée parce que normalement Auchan ils ont des super décos, mais là, bref. On continue dans Noël. J'ai pris un petit arbre comme ça, 1,49 € pour mettre, parce qu'on a un petit train pour mettre à côté, voilà. Après, une petite maisonnette comme ça avec des pins de pin. 1,99 € aussi. Et j'ai pris le sapin chez Lidl. J'ai pris le floquet qui était à 22 €. Par contre, il est petit, mais moi, ça me convenait comme ça. Ok, c'est un vrai sapin. Hein. Un petit tour, ça... 2,49 €. Je trouve ça cher. Avec marqué Noël. Voilà. Une boule comme ça de Disney avec Winnie à 99 centimes. Et ça, je trouve que c'est pas cher au final. En plus, elle est en métal, elle s'ouvre. Je vais pas le mettre par terre. Alors, encore dans le thème de Noël, une assiette. Toutes les années, j'achète une assiette comme ça. Vous savez, pour mettre les toasts. Il y a marqué sur mon Merry Christmas. Non. The night before Christmas. 1,49 €. Je la trouve super belle. J'aurais dû en prendre plusieurs. Après, des genres de stalactites. Coulée de neige, il y a marqué. 1,49 €. Non, 1,99 €. Voilà. Après, j'ai pris du bolduc. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi. J'en ai trois. À la base, j'en avais pris deux. Un doré, un rouge, et je me retrouve avec un autre. Alors, c'est peut-être la puce qu'il a pris aussi et qui, je sais pas, qui s'est retrouvée dans le panier, je sais pas. Parce qu'elle s'amusait avec et j'ai pas vu, peut-être elle en a pris un dans un rayon. Aucune idée, parce que vous savez, même elle est dans la poussette, mais en fait elle met sa main et elle chope tout. Alors, le bolduc, c'était à combien? Bolduc. Parce que j'étais en train de me dire, est-ce qu'ils appellent ça vraiment du bolduc? Mais oui, c'est vrai. €2,80. Mais j'en ai qu'un. Je vais faire un calendrier de l'Avent pour ma fille. D'accord, oui, elle est jeune, mais bon, j'avais envie. Et j'en ai pris un chez Lidl. Comme ça.
voilà, qui était à 5,99€. Voilà, et vous pouvez mettre des petits trucs là-dedans. Donc, je lui ai... Bon, par contre, c'est pas top, hein. Je vais recoller ça avec la... J'ai de la colle exprès. Je vais tout recoller. Mais bon, au moins, il va me servir pour les années à venir, au final. Donc, je lui ai pris pour mettre dedans des nouvelles sucettes. Hein. Voilà. Je me suis dit que ça allait être bien. Et j'ai trouvé, parce que je cherchais ça sur AliExpress... C'est des, là, c'est des légumes qui se séparent en deux. Non, je sais pas. Ouais, vous allez voir là. Voilà, ils se séparent en deux et vous avez aussi le couteau et la planche à découper. Donc voilà, c'est simplement en fait pour lui montrer quand je lui fais ses... Je vais poser ça. Quand je lui fais ses purées. Lui montrer à quoi correspondent les légumes que j'ai mis dedans. Alors la plupart du temps je lui montre avant que je fasse la purée, mais au moins là si je lui dis carotte, c'est de la carotte, voilà, il y a la carotte, je pourrais lui montrer ce que c'est. Voilà, et ça c'était pas très cher. Stickers, ours, boule, peluche, bonnet, assiette, set de table. Ah oui, j'ai aussi acheté les sets de table rouge. C'était les deux. 1,99€. Canard. Ah, set de fruits. Donc il y a set de légumes 10 pièces, 2,99€. Et set de fruits 10 pièces, 2,99€. Par contre, bon, la banane est plus petite que le citron. Voilà, on n'en dira pas plus, hein, on dirait que dedans, attendez, ah voilà, par exemple le citron, dedans c'est dessiné quoi, sur le citron, oui. Non, la fraise, non. Bah, vous allez me dire une fraise au final dedans. Il n'y a rien de space. Ah, le kiwi, oui. Ah, oh, c'est joli, hein. Franchement, 2,99€ sur AliExpress, c'était plus cher. Et en plus, je me suis dit, bon, on ne sait pas ce qu'ils foutent dedans. Bon, vous allez me dire ça aussi, hein. Ça doit être fab... Ah non, c'est pas fabriqué en Chine. Quereille. Bien que ça c'est la carambole, je sais plus, c'est comme ça, c'est pas de l'anis étoilé, non, c'est la carambole, un truc comme ça, je sais pas, mais dites moi en commentaire. Là c'est le pamplemousse sûrement, ou l'orange, ouais, c'est sympa, hein. Le pois, non, pas le poivron parce que c'est un fruit, donc ça c'est la pomme. La poire, elle est énorme. Par rapport à la pomme. Elle est énorme. Et surtout par rapport à la banane, quoi. La banane, je trouve ça dommage, ils l'ont mal fait. Bref, après, 2,99€. La poire. Ouais. Donc, vous avez la planche à découper avec le couteau. Même le couteau, il est vachement plus grand. Bref. Je vous montre aussi les légumes, tant qu'à faire, le poivron. Ouais, je savais même pas que c'était... la carotte, ben la carotte, vous avez rien dedans. Pomme de terre, il n'y a rien dedans. Est-ce que le votre un piment, il me semble. Parce que le poivron, on l'avait déjà, il n'y a rien. L'aubergine... non, c'est violet, quoi. L'aubergine, elle déteste l'aubergine. Par contre, c'est dur. Hein. C'est marrant, le brocoli. Brocoli, elle aime bien ça. Bon, après, peut-être ça va plus vite avec le couteau, en fait. Ah oui, c'est mieux. Bon, ça, c'est le maïs, on s'en fiche. La tomate. Attends,
tomates, il y a les petits pépins. C'est sympa, franchement. Nickel. Après, je lui ai pris un petit canard pour le bain. Je sais pas si ça va rentrer, mais bon, c'est pas grave hein, si les petits bouts sortent. Je lui ai pris le copain de Bing. Je sais pas comment il s'appelle. Pourtant, il y est souvent à la télé, mais j'écoute pas. Elle pleure parce que elle veut pas se faire habiller. En ce moment, c'est ça. Donc, en fait, il était à 1 euro. Je trouvais ça top. Et en plus, j'ai trouvé Bing à Jouer Club à moins 50%. Donc, je lui ai payé 15 euros. Et en plus, il parle quand on lui appuie là sur le ventre. Donc, au moins, elle a les deux. Voilà. Eh bien, je vous ai tout montré. Voilà. Eh ben, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner. Et je vous fais d'énormes bisous. Et passez de bonnes fêtes si on ne se revoit pas. Ciao !